suite, si vous le désirez, si vous le demandez, je vous montrerai mes fesses. Je veux vous entendre. Et sur place, ici à Colmar, en un jour, deux jours ou trois jours, pourquoi pas. Et c'est pas la superficie ou la taille du tatouage qui va un petit peu. Je n'entends pas bien causer, s'il te plaît. La qualité du piquage, le rendu artistique, les ombrages, etc. Ça peut être une petite pièce qui gagne comme une grande. C'est pas la superficie qui prévaut. Depuis 11h ce matin, on a fait des petites coupures quand même. Voilà, depuis 11h ce matin, elle est sur son avant-bras. Ouais. Voilà qui est un portrait réaliste. Attends, tu montres bien, montre aux photographes, aux paparazzi qui sont là. Alors, c'est la catégorie reine, mesdames et messieurs, la catégorie Best of Weekend, car elle permet d'admirer le tout dernier travail des tatoueurs. L'art des tatouages, vous le savez, tiré par le haut depuis des années. Encore ? C'était le numéro 1, Catherine. Monsieur Pitbouy, s'il vous plaît, est-ce qu'il peut venir ? Voilà, monsieur Pitbouy, qui est celui qui va offrir en fait le brelon qui est un stand. On applaudit monsieur Pitbouy très fort, s'il vous plaît. Alors, pour le premier prix, il y a monsieur Pitbouy qui offre, montre-nous l'affiche. Voilà, c'est à Sao Paulo, la Pavazione Internationale des Tatouages, Expo Art Fusionnaire de Tatouage Tantamoué à Sao Paulo, Brésil. Et c'est la 6e édition. Je parle très bien portugais. Et il y a en plus, regardez, vous avez une affiche qui a été créée ici par notre ami Jean-Jacques. Et le motif central est bien inspiré. Mon camarade, M. Falcon, qui a fait ce travail, il travaille l'inox, il a son stand en face. Je vous demande d'applaudir. Et le graphiste et le sculpteur, mesdames et messieurs. Vous restez tous bien là parce qu'on enchaîne avec c'est vous qui allez désigner vainqueur avec le jury Miss Tattoo sélection pour l'épreuve nationale. Le vainqueur du premier prix qui a gagné donc cette œuvre, un stand à Sao Paulo, c'est pour le numéro 1, Catherine. Voilà, prends photo.